asleep in midst the trees. Bats all a swaying in the breeze. But one soul lies anxious, wide awake, fearing all manner of goose hacks and rays. Salut à tous, et c'est en ce temps trouble que nous nous retrouvons dans The Witcher 3. Ouais, pas du tout. Bah bien sûr que si, hein, n'importe quoi le mec. Et on se retrouve... Mais non, mais attends, il est mort. Quoi, on aurait... Grave erreur. Le nom est un saut. Ah merde. Et du coup, on se retrouve avec le baron. On va chercher le couvain pour décider si on va le tuer ou pas. Mais le baron, il est avec moi, donc je pense que je vais pas le tuer. Parce que le pauvre, après il va m'en vouloir. Un charmant. Ouais, magnifique. Oh, c'est fini, oui. Je sais que j'ai tout fait de travers. Eh ouais. La tombe est éventrée. Et vide. Ce qui signifie que le couvain, il n'est plus là. Que le couvain est lâché. Non, sans blague. Où est-il? Haha. Wow. Mais... Regardez. Ah, oh, c'était trop beau. Ah non, c'est dégueulasse en fait. Ah, what the fuck. C'est à ça que ressemble un bébé quand il est dans le ventre. Coucou, vin. Allez, c'est bon, on va le transformer. Vite. Et s'il se fâche, il peut nous mordre le cul en moins de deux. Bah pas si tu le prends dans les bras. Si vous voulez l'exciter. Si tu le prends par les fesses, oui, il peut te mordre par le cul. Oh Dieu, ça donne quoi quand il s'énerve pour le bon? On vous saute à la gorge et vous saigne à mort. Restez concentré et prévenez-moi s'il s'agite. Je peux le calmer par magie. Ah, énorme. Allez, range mon épée. Prenez-le dans vos bras. Fais-toi bouffer. Ah mon dieu, en fait j'ai bien fait de pas le tuer. Dieu tout puissant. Oh, regardez-le. Eh, coucou papa, mais il est plus gros que lui presque. What the fuck. Ok, bah alors, par contre, je vais préparer, voilà, Axie, on sait jamais. Avec ça? Je vous signale que c'est vous qui souhaitiez mettre le vieil légende. Ah d'accord, il faut le ramener à la forteresse, très bien. Eh merde. Ah, suis-moi par contre, parce que je peux rien faire sinon, si t'arrive quelque chose, si te mord le cul, après... Mais ça va, mais tiens-le bien, c'est un bébé. Oh. Haha, regardez. Ouais, dég. Alors, ouais, le mec, il a ouvert la porte. Le gars est surpris qu'il ouvre une porte. T'as les deux mains prises pourtant. Merde. Bon, vas-y, bouge-toi, là. Cours, gros patapouf. Ah, c'est pas bon signe, ça, je crois. Je vais devoir le tuer. Ah, peut-être parce que je suis parti trop loin. Bon, tant pis. Wow! Non, non, calme-toi. Je vais prendre tonnerre, histoire 2. En plus, il y a la poudre en ce moment. Donc... Aïe, 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 aïe. Mais arrête ça! Hop là, esquive! T'es deg ou pas? Hop! Ah merde, il m'a eu. Eh ouais, mais aussi, on est dans un peu... Ah, du coup! Ah, je suis retourné ici. Ouais, j'aurais peut-être pas dû courir aussi vite. Alors, t'es deg, la confusion est totale. Tiens, tiens. Non, 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 fuis, cours. Si, c'est ton gosse. Ça se voit pas? Non, c'est pas ça que je veux faire. Vas-y, je mange, là. Regardez le poisson séché. C'est pas aussi bon que le poulet. Que le sandwich au poulet, mais le poisson séché, c'est pas mal. Bon, qu'est-ce qu'il fait là, me tourner le dos? Viens là. Oh, il m'a gavé. Hein. Je lui fais pas beaucoup mal. Hein. Tiens, tiens. Viens ici, viens. Oh, oh, le mec à côté. Le mec à côté, il est là. Vous l'avez énervé. Oh, vous l'avez énervé. Oh, vous l'avez énervé. Vas-y, cache-toi. Ouais, ouais, t'as raison. Allez, viens là, mon petit. Vas-y. Est-ce qu'il craint le feu? Je ne sais pas.
Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Bon, il fait pas des attaques. Bon, c'est pas trop dur. Hein. Allez, viens là. Allez, mon petit couvain. Allez, viens là. Mais oui, allez, brûle. Oh, je l'ai pas eu. Hop là. Aïe. Hop là, esquive. Non. Hop là, alors. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? L'odeur du couvent les attire. Oh putain, des spectres. C'était pas prévu. Aïe. Lâche-moi. Je peux plus attaquer, qu'est-ce qui se passe? What? Je me fais démonter. Du coup, on va le suivre. On va laisser avancer lui. Parce que le but, c'est de le suivre. Et j'ai pas envie que il se transforme alors que je suis loin. Restons proches, hein, restons à côté. On va éviter de courir aussi, peut-être que c'est ça. Parce que il se trouve que tout à l'heure, il s'est transformé. Et que ben, j'ai vraiment eu du mal à le battre. D'ailleurs, je suis mort. Hein. Je ne l'ai pas battu. Qu'est-ce qu'il fait? Des spectres. Bon, on va tuer les spectres. J'ai pas envie qu'il transforme le couvain. Là, il y en a un autre. Non, vous mourrez pas. Aïe. C'est bon, il est tranquille. Tranquille. C'est bon, le couvain, il s'est pas énervé. Voilà, je l'ai calmé. Tout va bien. Tout doux. On va rester à côté. Du coup, c'est ça. Clairement, pour pas qu'il se transforme. Mais que voulez-vous faire avec ça? Moi, rien. Un pot au feu. C'est votre boulot. Je vous l'ai dit, il faut l'enterrer sous le seuil. Si la légende dit vrai, demain ce sera celui-là. Ouais, si la légende dit vrai, d'accord. Et m'aidera. Donc on va se fier à une légende. On va rester à côté, au cas où il y a d'autres spectres qui arrivent. Je suppose qu'il va y en avoir d'autres. Hein. Sinon, ce serait trop facile. Ah, voilà. D'autres spectres. Ils sont où? Il faut faire vite. Aïe. Non. Putain, je suis bloqué. Vas-y, t'approches pas du couvain. Hop, il est mort. C'est bon, il a pas eu le couvain. Putain, il y en a beaucoup. T'approche pas, Lenny! Je l'ai eu. Ça a marché. Ouf, il s'est calmé. Bon, on va manger un petit peu de poisson séché. C'est pas aussi bien que le sandwich au poulet, mais ça devrait suffire. Non. Trouvez-en un. C'est important. Allez, choisis un nom. Une fille. Quel nom lui aurait donné Anna? Débila. Dégueulasse. J'en sais rien, moi. Jean-Antoinette. Ça me fait peur, moi, tout ça. Arrête. Là, on y est presque. Tu lui as trouvé un nom? Dis-moi. Ah oui, dis-moi oui. Oh, j'ai tout mélangé. Répétez après moi. Après moi. La puissance de la terre. Ah non, pardon. Du ciel. Puissance de la terre et du ciel. Au nom du monde qui fut le tien. Au nom du monde qui fut le tien. Pardonne-moi, toi, que je n'ai pas su accueillir. Pardonne-moi, toi, que je n'ai pas su accueillir. Non. Je te baptise, là vous dites son nom, et fais de toi ma fille. Je te baptise, Déa. Ah, ça va, c'est pas mal.
C'est pas mal, Déa, j'aime bien. C'est un joli prénom. T'aurais pu trouver pire. What? Ah non, là, il est mort, c'est pas, il s'est pas transformé. Comme quoi, le baptême, c'est quelque chose de dégueulasse. Ah, voilà, c'était bien pour ça, l'appel. D'ailleurs, qui c'est qui a fait le trou avant? What? Ce jeu est plein d'illogismes. Et maintenant? Le mec, il est putain d'épuisé. Si un jour, Déa sera devenue un sommeillard. Je vais attendre ici. Rentrez chez vous. Bon. Je reste avec vous. Pas question. J'espère que ça va être le cas. Hein. Mais c'est mon enfant. C'est moi qui suis responsable, qui suis coupable. Il est trop tard pour vous conduire en père. Il n'y a rien d'autre que vous puissiez faire. Ouais, 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 laisse-moi tranquille. Mais il n'y a pas de mec qui tienne. Je suis sorceleur et j'ai un travail à terminer. Je dois attendre un jour et une nuit que le couvain devienne un sommeillard. Point final. Mais c'est relou en fait le travail de sorceleur. Et tâchez de ne plus vous saouler. Ah, le relou, je le sens mal, il va saouler. Invoquer, s'asseoir et attendre. Allez, on va attendre une nuit et un jour. Voilà, comme ça. J'espère que j'ai une PSP pour jouer. Hein. Une PSP, n'importe quoi. Par le sang, ça n'existe même plus, la PSP. Par ton nom, j'en appelle à toi. Entends mon appel et lève-toi, Déa. Oh. Ça fait un nuit et un jour, ça, dis-moi déjà. Moi, vers celles qui te sont liées par le sang. Putain, moi j'aurais pensé qu'il allait devenir super beau. En fait, il est toujours aussi moche. Hein. Où tu vas? Reviens, ouais. Reviens. Ouais, mais tu vas un peu trop vite là. Oh, attends-moi. Y'a personne qui te voit là, y'a que moi. Vas-y, allez. Ah, je t'ai dépassé, je vais gagner. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter? Ouais, j'en sais rien. Bah, allez, dépasse-moi là, où tu vas? Il m'emmène vers Anna et... Enfin, vers les autres, en fait. Vers Anna et sa fille, hein. Si j'ai envie de trouver cette vilaine, je le ferai. Bah alors, suivons-le. Ça va un peu trop vite là. Il va entre mon pas et entre mon sprint. Du coup, je ne sais pas trop. Qu'est-ce que je dois faire? Un coup sprint, un coup pas. Un coup sprint, un coup pas. Un coup sprint, un coup pas. Non, quoi? Un coup pas, n'importe quoi. Allez, avance là, tu vas trop doucement. Il s'en fait défoncer comme une putain de. Quoi? Attends-moi! Oh non, des. Vas-y, on s'en fout. Hein. Qu'est-ce que tu lâches? Ouais. Je m'en fous, mais clairement. Non, où tu vas? Ne t'arrête pas. Où il va? Mais c'est la cabane du chaman, ça, non? C'est pas la cabane du chaman? Non, c'est pas la cabane du chaman. Qu'est-ce qu'il fait? Mais arrête! Mais t'es relou! Comme boîte à parfum, ça se pose là. Mais ça vaut peut-être un coup d'œil. Quoi? Comme boîte à parfum? J'ai pas compris le rapport avec la boîte à parfum. Fouiller les environs du fumoir. Ah d'accord, c'est un fumoir, ok. Il y a des traces de pas, est-ce que je peux fouiller? Un fer à cheval. Impossible que ces gens-là aient les moyens d'avoir un cheval. J'avoue. Qu'est-ce que c'est que ça? Un bracelet que l'une d'elles a dû laisser tomber. Ouais, tomber bien positionné sur un tonneau, hein. On me l'a fait pas, les vêtements, on peut se changer là-dedans. What? Les deux étaient ici. Je suis sur la bonne voie. Et en plus, elles sont à poil! À poil! À poil! Elle veut me montrer autre chose. Qu'est-ce que tu veux me montrer? Vas-y, je te suis. Ah, au secours! Non! Ne me suis pas! Vile créature! What? Qu'est-ce que c'est que ça? Je m'enfuis! Au secours! Avance, s'il te plaît! Vas-y, avance! Au secours! À l'aide! Elle me suit jusqu'au bout du monde! C'est bon, elle m'a lâché.
Je sais pas ce que c'était, une araignée ou... J'aime pas les araignées, bah... Ah ça y est, là, elle va plus doucement. J'arrive à la suivre en course normale. Quoi, encore? Mais c'est pas possible, lâche-moi. Ah non, c'est ceux qui explosent, là. Non. Vas-y, cours. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu... Les charognards. Aïe. Non, n'explose pas. Non. What the fuck, il y en a plein partout. Ouais, c'est quoi cette musique? Elle était déjà? Alors. Non, va-t'en. Aïe, ça fait mal. Allez. Non. C'est bon? D'examiner cette carcasse de cheval. Examine. Mais il y en a trop, mais purée. Vas-y, je vais manger un petit peu. Crève! Non. Vas-y, examine. Ah, il manque la tête. Ah, mais c'est bon, il n'y a plus de créatures. Je suis tranquille. Examinons. Qu'avons-nous là? Un cheval, sans tête. Le cavalier sans tête. Ah non, du coup, c'est le cheval qui a pas de tête. Alors, examinons le caca. Toujours plus la important, le caca. Mordue. Ah non, c'est la selle, enfin, d'accord. Je, je croyais que c'était les selles du cheval, le caca, quoi. Bon, ce mec. Du coup, observons les ossements. Ces ossements ne datent pas d'hier. Bah, en même temps, le cheval, il est pas né d'hier. Hein. Et les côtes, des c'est pas les ossements. Géants. Ce n'est pas un charognard qui a laissé ses marques. Ok. Il manque un fer. Simple coïncidence. Ou s'agit-il de la bête qui en a perdu un au fumoir? Ouais, très bien. Putain, le mec, il a des réflexions. Tête arrachée. Ça nécessite une force immense. Bon, c'est ou un loup-garou ou un griffon, quoi. Résumons. Ça doit être l'œuvre d'une bête puissante. Qui a agi par surprise. Espérons qu'elles aient pu filer. Ouais. La piste ne s'arrête pas là. Elle se poursuit. Tant mieux. Ouais. Mais n'empêche que là... Si tu t'arrêtes à chaque monstre, moi je te démonte. Hein. Oh non, des loups. Mais c'est pas possible. Lâchez-moi. Laissez-moi tranquille, là. Non, pas les loups. M'en fous, je cours. Rien à foutre. Non. Hop. Alors, t'as vu cette esquive? Là. C'est bon, ils m'ont lâché, les loups. Un village. Ah non, il n'y a qu'une maison de pêcheurs. Arrête de tourner en rond, toi. Ah, c'est verrouillé. On dirait qu'il veut que je regarde de plus près. Bon, regardons. Ah, il y a des gens. Qu'est-ce qu'ils font? Le gamin, il fait... Je sais pas, il... On s'en fout. Je peux pas toquer. Ah, mais c'est pas lui verrouillé, d'accord. Très bien. Les gars, ils m'ont vu arriver, ils ont déverrouillé la porte. Et ils font les étonner, genre... Ah, mais c'est qui, lui? Qu'est-ce qu'il fait là? Dans l'autre pièce. Allez, qui est là? File. Vous voulez quoi, messire? Notre cabane est isolée, minable. On n'a rien. On sait rien. C'est une simple information. De toute façon, quand quelqu'un dit qu'on ne sait, qu'il ne sait rien, et la fille du baron sanglant, c'est qu'il est suspect. J'ai vu personne, messire. Vraiment? Ouais. Même de passage. La fille est de taille moyenne, dans les 20 ans. La mère est lancée, dans les 40. Ça ne vous dit rien? C'est celle qui est venue de nuit, hein, maman? Ha-ha! Tais-toi. Ouais. Où est-elle, je sais très bien que c'est votre elle. Votre fils en a trop dit. Inutile de continuer à jouer les idiots. Désolé, messire. Mais vous ressemblez pas au gars de son père. Parce que je n'en suis pas un. Je cherche Tamara et sa mère. Je
dois savoir si elles sont saines et sauves. Tamara l'est, oui. Elle est chez mon frère. Ah, cool. Et Anna ? Mais Madame Anna... Quoi ? C'est autre chose. Pour elle, partout ailleurs qu'à Perchefreux chez le baron, c'était mieux. Pourquoi ? Il la battait, messieurs. Madame Anna, je veux dire. Tout le monde savait, mais personne n'a levé le petit doigt. Ouais, mais il était bourré, c'est pas sa faute. Tout le monde boit un peu, non ? Qu'est-il arrivé à la mère de Tamara ? Alors voilà. J'attendais dans le vieux fumoir, avec les chevaux. Froid pis noir, comme tout, il faisait. Qu'on n'y voyait pas à deux pas. La lune était déjà haute, et elles étaient toujours pas là. J'ai cru qu'un démon les avait chopées, mais elles ont fini par arriver et on est parti vers la rivière. Ok, très bien. Un vent terrible s'est levé d'un coup, à vous arracher la tête. C'est ça, le cheval qui... Des plaines volées au-dessus des arbres. Le cheval en a fait les frais, quoi. Des oreilles. Madame Anna a crié, puis s'est repliée sur elle-même. Tamara s'est mise à genoux, l'a prise par les bras. C'est là que je les ai vues. Des vilaines marques dans ses mains. Comment ça ? Une croix gammée ? Quelle marque ? C'est quoi ces marques ? C'est comme... comme au fer rouge sur ses paumes. Je vois pas le rapport. Comme pour le bétail ? Oui, Da. Sauf qu'elles étaient pas noircies en côté. Non, moi je suis pas Da, moi je suis Elle luisait général. Comme si le feu couvait toujours dedans. Comment ça, je sais où elle est ? Ah bon ? Ah bon, moi je sais pas, alors... Il y a quelque temps, j'ai vu une femme au marais de Torséchine, avec des marques comme celles que vous venez de décrire. Ah bon ? C'est sûrement Madame Anna. Merde ! Dieu. Au marais de Torséchine. Ah, c'est la vieille ! C'est là que je l'ai vue pour la dernière non, fois. C'est Dieu pas la vieille. Du ciel, protégez-nous. Les chuchotements dans la nuit, ça fait plus de doute de ce que c'est. Ah, je comprends rien. Les moires l'ont prise. Elle a dû passer un marché, un pacte. Pour ça qu'elles l'ont marqué, pour montrer qu'elle est à elle. Bon, vas-y, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Qu'est-il arrivé ensuite ? Il faisait de plus en plus sombre. Comme si on avait éteint les étoiles. N'importe quoi. Soudain, les grillons se sont tus. Et là, dans le bois, un rugissement. La sueur froide m'est venue, et aussi sec. Un monstre a bondi du sous-bois, de la taille d'une grange avec des cornes et des yeux de braise. J'ai cru mon heure venue. La bête s'en est prise au cheval de Madame Anna, l'a déchiquetée, puis l'a traînée dans le bois. Ouais, ouais, je l'ai vu le cheval. Le chevaux, le mien et celui de Mlle Tamara sont emballés sans crier gare. C'est comme ça qu'on a réussi à filer. C'est un griffon, La jeune dame voulait s'en retourner, mais maman... Ça ressemble vachement à un griffon. Elle a dit qu'elle mourrait si elle y allait seule. Ce serait bête, on en a déjà tué un, pourquoi il nous ferait tuer un autre griffon ? Bon, on s'en fout de pourquoi il les a aidés. Merci pour votre aide. La gentille dame, elle va s'en sortir, pas vrai ? J'en sais rien, moi. Je ferai mon possible pour qu'elle s'en sorte. Ah bon ? Du coup, faut retrouver la fille. C'est donc ici que nos chemins se séparent. Merci, Déa. Va en paix. Non, tu veux pas m'aider quand même ? Je cherche les filles, moi. Je cherche pas des indices. Tu aurais pu directement m'emmener aux filles. Oh, le relou. Retrouver Tamara, fille du baron, à Ochsenfurt. Ochsenfurt ! C'est où, ça ? Carte du monde. Donc du coup, où il faut parler, moi je vais directement aller chercher Tamara, je pense. Hein. Voilà, c'est ici. Est-ce que je peux me téléporter ? Je peux me téléporter à côté, enfin faire un voyage rapide. Allez, on va faire ça. On va faire un voyage rapide, même si je suis à côté. Voilà, je vais placer un point de repère. Et je vais aller chercher Tamara. Ah, c'est de l'autre côté. Oh, relou. Ah non, c'est pas de l'autre côté. C'est par là.
Par là! Bon, j'ai les chevaux, mais j'ai pas envie. Pourquoi il est mort, lui? Cher pourri. C'est pas grave, je prends. Au cas où de grande faim. What? Mais ils sont tous morts, là, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde est mort? Ok, c'est bon, on y va. On va voir Tamara. What? Ouais, ouais, très bien. Les mecs, ils se battent tranquille, ils se font un combat. Allez. On s'en fout. Donc c'est où? C'est ici, hein. Allons-y. Hop, on appelle Ablette, ça ira plus vite. Ablette? 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 Eh oh! Relou ce cheval aussi, là-haut. Le plus près, mais non, start, pas select. Le plus près se trouve donc ici. Voilà, c'est celui-là, là-bas. J'ai failli me tromper. Allez, on y va. Saute! Je voulais pas faire ça. Ah, mais il y a une porte! J'avais pas besoin de sauter. Allez, Ouais, ouais, range ton épée, tu vas te faire engueuler. Et regardez-vous, mettez les pieds. Mais tais-toi. Mon dieu. C'est le tonnerre là-bas. Allez, c'est facile. Merci. Cours. Je suis à Oxenfurt. Ah, c'est haut là. Du coup, Tamara, où es-tu, Tamara? Et regardez-vous, mettez les pieds. Ouais, lâche-moi. Oui, Tamara. Youhou, Tamara. Viens voir tonton Gérald. Je te ramène voir papa. Je peux pas galoper là. Je dois appuyer. Non, ça ne marche pas. Allez, c'est ici. Nous y sommes. Là. Il n'y a pas de porte. Comment vais-je rentrer? Un orage. Manquez plus que ça. Ouais, relou, là. On s'en fout de l'orage. Comment on rentre? Là, une porte. Ah, attention, vous allez. Ah, mais c'est verrouillé. Je rentre comment, là? Pas une porte ailleurs? Là. Ha-ha! Je cherche Tamara, la fille du baron sanglant. Votre frère m'a dit qu'elle était ici. C'est Wojtek qui vous envoie? Yep. Sinon, comment saurais-je qu'elle est chez vous? Un instant. Je vais la chercher. Ah, s'il savait que j'avais tué son frère pour pouvoir arriver ici. Oh, le petit chat, il est trop mignon. Et coucou. Et coucou, petit chat. Et coucou. Genre, tu me regardes pas, là? Vous me cherchez? À qui ai-je l'honneur? Est-ce mon père qui vous envoie? Mais moi, oui. Je croyais que c'était une enfant! Pour savoir si vous êtes en vie. Et comment vous allez? Je suis Gérald. Mais c'est pas du tout une enfant! Je suis vivante et je vais très bien, Gérald de Rive. Mieux que jamais de toute ma chienne de vie. Maintenant que vous m'avez vue, bonjour chez vous. Attendez. Bonjour chez nous moi. Nous n'avons plus rien à nous dire. Vous avez le droit d'être fâché. Non, j'ai fâché. Pas envie de lui jeter une pierre. Mais ça n'empêche pas votre père d'être inquiet. J'ai le droit. Trop aimable. Je chéris l'approbation d'un de ses soudards. Quant à père, tout ce qui l'intéresse, c'est sa prochaine cuite. En tout cas, toi, tu ressembles vachement à ton père. Hein.
Vous avez raison. Votre père est un abruti. Nous sommes d'accord. Mais dans ce cas, pourquoi l'aidez-vous? Il sait quelque chose au sujet d'un être qui m'est cher. Il a promis de me le dire si je vous trouvais, vous et votre mère. Tout s'explique. Le chantage, tout à fait son style. Eh bien, vous m'avez trouvé. Je les aide pas, que je suis vivante et que je ne reviendrai jamais. Pourquoi? Sans vouloir. Mais non, je m'en fous, en fait. Je sais que votre mère a fait une fausse couche. C'est la faute de père. Il l'a bousculée, elle est tombée. C'est ainsi que ça a commencé. Nous étions seuls. Tout se sent partout. La pire soirée de ma vie. J'en suis désolé. Ça a dû être horrible. Ouais. Laisse-toi pousser les cheveux. Elle répétait que c'était mieux ainsi, qu'elle n'avait jamais voulu ce bébé. La fièvre, sûrement. Elle perdait beaucoup de sang. Elle ne voulait pas du bébé? Elle disait qu'elle se serait éventrée plutôt que de mettre au monde son enfant à lui. Wojtek a dit qu'un monstre avait capturé votre mère. C'est ce qui s'est passé. Un monstre énorme, deux fois la taille d'un ours. Wow. En plus vif et agile. Il a capturé ma mère avant qu'on puisse réagir. Je suis pas dans la merde, moi. Je ne sais même pas si elle a survécu. Votre mère est au marais de Torsechin. Elle semble y avoir trouvé le bonheur. Mais je crois qu'il y a un problème avec sa tête. Ah oui, c'est bien la vieille, alors. Elle est vivante? Je dois aller la chercher. Le marais est un lieu relativement dangereux. Ma décision est prise. Ouais, que dalle. Personne ne me dissuadera d'y aller. Que comptez-vous faire? Retrouver ma mère. Ce ne sera pas chose facile, vous savez. Je ne suis pas idiote. Mais elle est folle, elle est complètement folle. J'ai de nouveaux amis. Des amis puissants. Ils m'aideront. Qui sont ses amis? Moi, je m'en fous de son père complètement. Vous avez entendu parler du feu éternel? Un de leurs prêtres m'a aidé à contacter les chasseurs de sorcières rédaniens. Des hommes dévoués, sans peur. Ils m'aideront. D'où les bougies dans votre chambre? Vous croyez au feu éternel? Quand la chaleur du feu a touché votre cœur, elle vous renforce et vous guide sur la voie de la vérité jusqu'au dernier jour de votre vie. Puisse-t-elle vous réchauffer le cœur? Ouais. Mais le feu, c'est imprévisible. On a vite fait de se brûler. Ouais, c'est pour ça que tu utilises un sort de feu. Hein. Ignis. Et votre père? Donc, et ton père, vas-y. Qui? De toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Je m'en moque. Ah, qui? Cette mon partie père de vie, j'ai un père. Eh bien, un sorceleur. Qui aurait cru que le baron embaucherait un tueur de monstres? Mais il paraît que vous avez aussi des talents d'enquêteur. Vas-y, c'est qui connu, lui là? Mais vous ne vous êtes pas présenté. Graden, chasseur de sorcières, au service de sa royale majesté Radovid de Radovid. Bah t'es très moche. Vous avez dû entendre parler de nous. Ça me dit quelque chose. Si le baron sanglant vous envoie quérir sa fille, mieux vaut l'admettre. Votre mission est vouée à l'échec. Merci, mais je me passerai de votre sollicitude. Quant à Tamara, son sort lui appartient. Quelle belle âme. Un tueur à gages qui renonce à sa prime pour le bien d'autrui. Les chasseurs du feu éternel vous remercient. Ainsi, le baron a engagé un sorceleur pour retrouver sa fille. Intéressant. Ouais. Où comptez-vous l'emmener? Tamara a besoin de repos. Elle a vécu une expérience éprouvante. Quand la chaleur du feu éternel lui aura redonné des forces, il sera temps d'aller trouver sa mère. J'espère que vous savez dans quoi vous vous engagez. Je n'ai jamais sais pas où elle est sa mère, lui. Le feu éternel est ce qui pouvait m'arriver de mieux. Dans ce cas, bonne chance. Merci d'avoir respecté mes choix. Adieu. Est-ce que ça serait pas mal d'y aller avec eux? Je sais pas. Voir la folle, là. Ah ouais, toi aussi t'es désespéré, hein, petit chat. Bon bah du coup, la prochaine fois, nous irons voir le baron, hein, lui expliquer que sa famille le déteste, qu'il ne veut pas... qu'elle veut pas le voir, ni rien, et qu'il va pouvoir se suicider en paix. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, je vous fais un gros bisou, bye bye.